Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, plutôt une présentation, un test de Minecraft Pocket Edition. Je viens d'acheter le jeu, donc je vais pas vous mentir, j'ai geeké pendant 4 jours dessus avant de faire la vidéo. Donc, il y a trois modes, je vais dire. Donc, il y a l'option. Donc, les options, c'est le nom. Donc, moi, j'ai mis mon nom, Mathieu. Alors, le serveur, est-il visible? Donc, c'est pour que les gens vous rejoignent parce qu'on sait jouer en multijoueur. Donc, mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Alors, les fancy graphics, c'est des graphiques plus élevés. Et l'over graphic quality, c'est moins élevé. Si vous avez un iPod qui suivrait les bons graphiques, et ben vous mettez fancy graphique comme moi. La sensibilité, alors ça, vous n'y touchez pas, les trois restes, ça sert strictement à rien. Pour joindre le jeu. Donc là, il cherche un Wi-Fi, mais vu qu'il n'y a personne qui joue sur mon Wi-Fi, donc personne ne peut rejoindre ma partie. Il faut savoir que vous ne pouvez jouer en multijoueur qu'en Wi-Fi local. Et ça, c'est un peu dommage, mais bon, je crois qu'ils vont faire une mise à jour. Voilà, donc j'ai ma vidéo de test. Je vais vous montrer un peu en quoi elle consiste. Donc, on peut faire créer un nouveau monde et vous choisissez le mode survival ou le mode normal. Le mode normal, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut, tout ce qu'il faut. Bah, regardez, je peux vous le faire maintenant. Vous pouvez choisir le nom, le créatif survival. Enfin, et quand vous mettez créatif, vous n'avez pas de bobs, donc pas de monstres. Tandis, et les monstres viennent vous attaquer la nuit en fait. Si vous avez une belle forteresse, eh ben, ils ne viendront pas vous attaquer. On va tester directement mon test. Donc la maison que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Vous allez peut-être vous foutre de moi, mais d'abord vous pouvez voir directement ici les animaux. Bon, c'est des moutons, des cochons, c'est tout. Pour l'instant, on est limité à ça pour les animaux. Alors vous pouvez peut-être voir les bobs, c'est les petits bonhommes que vous avez là. J'ai fait une capture d'écran que je vais vous montrer après. Ils étaient 20 sur moi. Heureusement, je me suis enfui. Vous pouvez les tuer avec votre épée que vous voyez là. Il y a plusieurs objets, la pelle, etc. Donc les portes, les briques et tout. Il y a des objets que vous pouvez ramasser. Par exemple, vous pouvez ramasser ça. Et vous voyez, ça se transforme en petit cube quand vous passez dessus. Après, vous le ramassez en fait. En profondeur, vous pouvez creuser assez profond, à un moment où vous arrivez à un bloc qui vous dit que vous ne pouvez pas transpercer. En hauteur, c'est pareil, vous pouvez aller très 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 haut. J'ai construit des tours immenses, d'ailleurs vous pouvez en voir une tout au fond là-bas. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Mais, vous pouvez voir ici que j'ai capturé un quoi à votre avis? Un cochon. Je vais essayer de monter dessus, hop. Est-il toujours là d'abord? S'il s'est enfui, je pète un câble. Oui, il s'est enfui. J'avais créé tout un enclos, mais il a encore réussi à s'enfuir. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je dis que c'est pas grave? Parce que tout simplement, j'ai créé d'autres trucs bien mieux, où j'ai capturé... En fait, si vous voulez, j'ai capturé des milliers de trucs. J'ai capturé... des cochons, j'ai réussi à capturer une créature. Alors ça, la créature capturer ça, c'est hyper dur. Et je vais vous montrer, j'en tuer une. Hop, voilà, elle est morte. Deux coups d'épée, elle est morte. Mais avec autre chose, j'aurais mis un peu plus longtemps quand même. Là, vous voyez leur grotte. Parce qu'ils bien évidemment, ils vivent dans le noir. Ils sont obligés d'aller dans leur grotte pour aller vivre, je vais dire. Ils ne supportent pas la lumière, donc vous allez voir, une fois qu'il fait jour, ils vont disparaître. Petit à petit. Hop, hop. Vous voyez, je viens de me faire toucher par un de ces... C'est vraiment de la... Ces trucs, hein, mais pff, ça me fait rager plus qu'autre chose. Des fois, vous construisez à votre aise, et voilà, il fait jour. Et il vient de vous attaquer, donc... vous pouvez également tuer un mouton. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Et ces petits moutons. Je suis bloqué apparemment. Petit bug, excusez-moi. C'est parce qu'il fait jour hein, que ça bug, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez les bobs qui deviennent rouges, donc à cause de la lumière. Donc un coup d'épée, normalement ils vont mourir. Hop.
Voilà, ils sont morts. Bon, vous allez me dire, oui, ils sont faciles à tuer. Oui, ils sont faciles, mais ils sont très chiants. Je vais vous montrer directement ma forteresse. Donc, vous voyez, elle est encore en construction. Je vous ferai une petite vidéo pour vous la montrer en entier. Je vais vous la montrer directement. Je cherche l'entrée. Parce que j'ai fait une maison dans une forteresse. Parce que à chaque fois, ils viennent m'emmerder complètement. J'ai fait un château fort. Vous pouvez le voir ici avec plusieurs entrées. On va prendre la principale. Hop. J'ouvre la porte. Ah, c'est pas la principale. Mais bon, soit. Non, il n'y a personne. Hein, parce que c'est quand même une entrée. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait un Bobs qui respawnait dans, je vais dire, dans ma maison. Et ça, ça, on ne sait rien y faire. Je l'ai fait un peu trop grande, c'est pour ça en fait. Il y a les limites de la carte qui ne sont pas si énormes. La carte n'est pas énorme, mais elle n'est pas non plus trop petite. Alors là, c'est mes réserves, donc mes réserves de bois que j'ai prises aux alentours. Là, c'est mes échelles de secours ou quoi, si un jour je laisse les portes ouvertes. Ne jamais laisser une porte ouverte, sinon un boobs va arriver. Un bobs, pas un boobs. Et là, vous pouvez créer des barrières. Dans ce cas-ci, j'en ai créé plusieurs pour être sûr qu'ils ne rentrent pas. Bon, soit, hop, j'en ai fermé deux, c'est assez. Je vais ouvrir tout de suite la maison. Voilà, elle est ouverte. Je prends soin de la refermer. Vous pouvez... Les lampes, moi, c'est vraiment mon truc, quoi. C'est... Les lampes, c'est génial. Pendant... Quand il fait noir, bien sûr, vous avez besoin de vous éclairer. Vous mettez une lampe. Là, c'est ma cheminée. Bien sûr qu'il ne ressemble pas à une cheminée. Là, c'est, on va dire, une salle. Je vous ferai aussi des vidéos là-dessus, mais en multi. Alors ça, c'est mon petit délire tout seul. J'ai envie de mettre plein de torches partout. Enfin, ça ressemble un peu à rien, je suis d'accord. Mais bon, voilà, c'est un petit délire. Alors là, ça permet d'aller au-dessus de ma maison. Vous pouvez voir l'entièreté. Là, c'est un petit tunnel. Je vais vous y emmener après. C'est un petit tunnel, voilà. Bien sympa. Vous voyez donc ma forteresse que j'ai créée en 3 jours. Ça m'a pris pas mal de temps quand même. La nuit, vous verrez, c'est magnifique. Hop, je ne meurs pas. Pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Ah, voilà. Je vais vous montrer mon petit tunnel. En fait, le tunnel, il part de derrière et il rentre dans la maison. J'ai tout prévu pour que les boss ne me tuent pas. Parce que c'est quand même un mode survival, hein, et quand vous perdez, en fait, vous pouvez respawn, mais du bout de la map. Et c'est vraiment chiant pour revoir où est votre maison. Hop, encore perdu un peu de vie. Bon, là, je suis sur la limite de la carte. Hein. Bah, c'est pas très utile ce que j'ai fait, mais bon. Bien amusant. Il y a l'eau aussi, mais l'eau n'est pas disponible dans vos cubes. Donc pour utiliser, pour faire une piscine ou quoi, vous devez dévier l'eau. Donc vous verrez des points d'eau et vous creusez, vous creusez, vous creusez un canal quoi. Je vous ai donc parlé de ça. C'est un petit trou, donc ça mène dans ma maison. Voilà, ça c'est un petit portail que j'ai fait genre que c'était une armoire. Pareil pour là-bas, une petite armoire. Pour tous les gens qui rechercheraient du Minecraft sur iPad, eh ben, c'est ce jeu-là qu'il faut avoir. Et non les copies qui existent dans l'Apple Store. Je vais essayer, je dis bien essayer de vous montrer où j'ai capturé la créature et le cochon. À chaque fois, il s'enfuit, donc c'est vraiment chiant. À chaque fois, je crée des murs autour d'eux, mais il s'enfuit. Il saute, hein, bien sûr. Moi, j'avais pas pensé à ça. Vous savez quoi? On va pas se casser les couilles. Hop. La petite jauge de rond, c'est ce qu'il y a. C'est en fait, ça se remplit au fur et à mesure. Une fois qu'elle est remplie, ben, l'objet est cassé. Vous ne pouvez pas ramasser ça. Par contre, vous pouvez ramasser ça. Vous voyez le petit cube. Vous pouvez ramasser ça. Chaque objet a sa propre utilité. Donc la pioche, ce sera pour le bois. Vous pouvez bien sûr faire avec d'autres objets, mais on va dire que ce sera plus dur, ça prendra plus de temps. Hop, encore. Pourtant, ah voilà, ils sont morts. C'est bien ce qui me semblait.
Il était dans sa caverne, à mon avis. C'est sur une tour jaune. J'avais fait une tour jaune pour reconnaître où était mon endroit. Mais maintenant, je ne sais plus où elle est, hein. Là, vous voyez, c'est une prison encore que j'ai construite, mais qui ne m'a servi à rien. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis nul. Non, mais j'ai pas réussi à finaliser le projet Prison Bob. À chaque fois, il s'en allait, donc hop. Partir d'un moment, j'en avais marre. On va rentrer dans le milieu des terres, ce que je n'ai encore jamais fait. Ah, voilà, la tour jaune, elle est là-bas. Pour vos yeux, je vais libérer les créatures qui se trouvent dans mes prisons, on va dire. Vous voyez, c'est la nuit, voilà. Il y a cycle jour et cycle nuit. Alors vous pouvez entendre le vieux monstre. Je vais vous montrer directement. Je vais mettre une petite lampe parce que sinon vous n'y verrez rien. De chez rien. Hop. Ça éclaire, hein, mais c'est vrai que c'est pas top. Hop, vous pouvez vous mettre en 3D, comme dans le vrai Minecraft. Donc vous allez dans le menu, et là vous changez ça, et vous mettez ainsi. Puis vous revenez au jeu, et voilà, vous avez un... Ouais, c'est pratique, hein, mais... Ah, non, en fait, c'est chouette, mais c'est pas pratique. Parce que pour courir et tout, c'est vraiment... c'est dur. Voilà, vous pouvez voir peut-être... Celui-là, je crois que c'est le monstre qui est dedans. Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est? J'écris un taux au-dessus justement pour pas qu'il y ait. Pardon, faut prendre la pioche. J'écris un taux au-dessus pour pas que la lumière rentre. Donc logiquement, il ne peut pas mourir. Et pourtant, si, il est mort. Shit alors. Place au cochon. Où est-ce qu'il est le cochon? Le cochon, je l'ai enfermé, mais dans un tout petit truc. Ah, vous le voyez là. Vous voyez ces petites pattes dépassées là. Hop, je vais le tuer rien que pour vous, vous savez quoi. T'es content d'être sorti un cochon? Tiens, t'es mort. En un coup, hein. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit. Vous voyez là les blocs. Ouais, donc il y a des blocs à l'infini et des blocs que vous devez ramasser. Je vous ai un peu tout dit. Donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer une autre vidéo en multijoueur avec Timberwolf 2. Et aussi une vidéo présentation de mon château quand il sera fini. Là, vous pouvez voir tous les bobs qui se ramènent vers moi. Je vais pas hésiter, je vais les tuer. Et oui, PGM, double kill, triple kill, et oui, en no scope. Non, je rigole. Ah, il n'y a pas de mode. Gun hein, là-dedans, pas du tout, hein. C'est très limité, on va dire. Alors voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!